Sanglier s'est laissé apprivoiser. Mais je m'en fous des sangliers. Ils sont combien? Oh, il y en a qu'un. Non, bah on va le bouffer. Hein. On va le bouffer. Sanglier, sanglier. Abattre l'animal. Manger. Alors, est-ce que j'ai trop d'animaux? Combien est-ce que je peux avoir d'animaux là-dedans? Consommation 2, 89. Alimentation stockée 37. Croissance de la culture 0,3. Ah, ça prend en compte la culture, du coup. Ok. Il va falloir que j'agrandisse un peu mon enclos. Ça, c'est pas considéré comme l'enclos, du coup. Ok. Après, comme je veux agrandir... Ouais. Ça a été bouffé par quelque chose. Comme je veux m'agrandir ici, l'enclos, ça pourrait être ici, après. Hein. Du coup, est-ce que j'ai de quoi faire le... Ah mais ils dorment quand même les vampires. Je savais pas. Je pensais qu'ils dormaient pas du tout. Maladie animale peste. Comme ça, on va s'en charger, on va soigner. Cougar a pris en charge Kill Light. Putain, les animaux. Il est où Kill Light? Oh, c'est bon. Ok. Il s'est calmé. Il s'est calmé. Il va mourir. Pour l'enclos, tu as mis une pour une, un morceau de tissu animal. Dans quoi? Pour l'enclos, tu as mis une pour une morceau de tissu animal. Pas compris. Regarde, tu as une chambre qui n'a pas de ventilation. Elle risque d'être fraîche cet hiver. Là-haut, ouais, elle est commandée, la ventilation. C'est celle-là. Puisque j'ai qu'un seul constructeur actuellement dans ma base, donc c'est un peu compliqué. Non, c'est pas une porte, ça, c'est un rideau à animaux. Mais c'est quand même pas considéré comme l'enclos, ça. Ah, ceci dit, je pourrais complètement bloquer là. Ouais, mais après, il y a le chemin ici, et du coup, ça sert plus à rien. Non, je vais bloquer ici. Ça fera déjà bien assez grand pour un enclos en plus. Full vanilla avec le dernier DLC, Frostix. Si, regarde sans le mettre en surbrillance quand même. Sans le mettre en surbrillance? Ah oui, ça le met en surbrillance ici. Oui, d'accord. Ok. Jusque là, c'est vert, c'est en extérieur en fait, c'est ça, je suppose. Ok. Bon. Bon, pour le moment, c'est pas mal. Milo, tu fais quoi? Transport jusqu'à la commode en bois. On a plus de... Non, c'était ça que je t'avais demandé. Délinquante, c'est traité, pas dans les environs. Bonjour, Wrestling Bacchus. Bacchus. Et ça, récupérer aussi. Que fais-tu, Milo? Tu te reposes. Ok, bah du coup, j'ai amené au moins tous les Toyo, ça veut dire. Oui. Est-ce que quelqu'un, genre Supersonic, si tu fais de la course nature, tu peux me transporter ces deux trucs-là et le composant qui est là? Je vais en avoir besoin. Est-ce qu'ils ont pu me... Oui, ils ont pu me construire ça, excellent. Donc, ça veut dire qu'en termes d'énergie, là, je suis ultra large, normalement. Je vérifie. Ouais, ils ont tout posé, donc en termes d'énergie, actuellement, je suis bien. Je suis bien. Démence majeure pour Coco, qu'est-ce qui t'arrive? Très joyeux, souffle légèrement, malade et a dormi dans le froid. C'est où ta chambre? C'est ici, ouais, t'as pas de vent non plus. Température, petite vent. Effectivement, c'est peut-être à celle-là que tu pensais en parlant des vents. Et du coup, Milo, transport jusqu'au pot de fleurs. Tu peux pas me faire une chambre plutôt, s'il te plaît? J'en ai marre! Après le pot de fleurs, tu fiens. Pas apporter ventilation incapable de minage. Ah merde, il faut le miner. Qui est mineur? Coco, tu es mineur. Après ta méditation, tu viens miner ça, s'il te plaît. Merci les vieux lol pour les 23 mois tiers 3. Re-bienvenue, merci beaucoup, ça fait plaisir.
Ok, nouvelle piole. Ça, c'est une bonne nouvelle. La suite, on y travaille. Démence, chasseur n'a pas d'arme à distance. Kill light. Bah, t'as fait quoi de ton flingue? Bah merde, il est passé où? Il est là. Merci. La 26 est en cours du coup. Milo, tu fais quoi? Construction de câbles électriques, ok. Ensuite, tu fais ça. Ensuite, tu fais ça. Alors que je check un petit peu. Température 12 degrés. Il faudrait que je mette peut-être un radiateur ou deux en plus. Température, radiateur. On va en mettre un ici. Et un dans les... dans les hôpitaux. Il faudrait que Cirdan... tu viennes... ah non, c'est construction du coup. Après le câble électrique, toi tu t'occupes de faire ceci, ceci, et tu viens me lisser au moins celui-là. Au boulot. Bah non, c'est pas su s'il n'y a pas de vent. Et du coup... vent. Après oui, en fait ça, au lieu de le lisser, je peux juste le miner. Et Cirdan donc, au lieu de jouer aux échecs, tu viens miner ça. Sérénité propice à la chirurgie pour Neverending, ok. Oups là, pardon, j'ai plus mon chat. Une vente encore ici. Milo, tu fais quoi? Tu apportes la commode, pourquoi pas. Et après, tu construis ça. Ah ouais, il faut que je le mine d'abord du coup. Ou Cirdan, tu viens... non, Neverending... non, Supersonix, il vient apporter ça. Démence majeure pour... oui, Supersonix, parce que je lui ai demandé de faire plein de trucs. C'est parce que tu as faim. Va manger avant. Voilà. Et maintenant, bah, tant que t'es là. Tant que t'es là, s'il te plaît. Transporte ça. Ça aussi, ça se... non, ça, ça se déprécie pas sous, le... sous la pluie. Et Glinglin n'a pas eu d'armes à distance. Quoi encore? Pourquoi? T'es chasseur, Glinglin, vraiment? Oui. Eh bien, équipe-toi de... ça, c'est... fusil à pompe, c'est peut-être pas fou pour la chasse. Arme lourde. J'ai pas vraiment... si, je peux mettre l'équipé de ça. C'est Glinglin. Glinglin vient t'équiper de ceci. Et après, tu peux me refaire une statue, si tu veux. Ah non, c'est pas Glinglin qui fait une statue. C'est Kill Light. Non. Ah, Neverending a besoin de repos. Bah, écoutez, je vais profiter. C'est où ton lit à Neverending? Neverending, ton lit, il est là. Viens faire ton Dark Rest. Bien arrivé, le DLC concerne quoi? Le DLC concerne... alors, normalement, le titre du DLC, c'est Biotech. Mais en fait... ce sont des races. En gros, t'as des races d'humains. Enfin, des races de personnages. Et donc, par exemple, j'ai des vampires. J'ai un homme taupe. J'ai un homme loup. Un homme ours, pardon. Et en plus, t'as des enfants, maintenant. Et c'est exceptionnel. Et je crois avoir vu passer... alors, je me suis un peu involontairement spoilé, mais je suis con, parce que je suis allé voir sur les commentaires du DLC. Mais je crois que maintenant, on peut contrôler des robots, aussi. La population est censée augmenter beaucoup parce qu'ils n'ont pas l'air hyper autonomes, tes gens. Alors non, justement. Généralement, c'est difficile de gérer plus de 10 personnes, Stonehenge. Tu peux, hein. Tu peux en avoir plus, mais... les enfants, c'est tout nouveau. Avant, ils ne pouvaient pas se reproduire. Donc les enfants, pour avoir des enfants, il faut qu'il y ait un couple marié, non stérile. J'avais un couple marié, mais Neverending, j'ai découvert qu'il était stérile. Et pour le recrutement, tu vois, eux, c'est des prisonniers. Eux, j'essaie de les recruter. Mais ça prend beaucoup de temps. Enfin, 2 prisonniers sur 3 que j'essaie de recruter. Donc, ils sont très peu autonomes parce que, justement, tu vas avoir peu de monde, donc tu dois les gérer. C'est la fight. Tout le monde a la fight. C'est bien pour le moral. C'est bon pour le moral. Non, là, le but, c'est pas une croissance de faire une ville avec 400 habitants. Je crois que le record que j'ai eu, c'est 40 personnes et c'est ingérable. Parce que le problème, c'est que bah, c'est des enfants.
Enfin, non, c'est des cons. Donc ils sont jamais contents. Ils ont toujours un truc pour lesquels, sur lesquels râler. Du coup, plus t'as de monde, plus il faut y a des besoins qu'il faut en compléter. Et c'est des besoins, c'est pas tu fais deux clics et c'est complété. Il faut qu'ils aient à bouffer, il faut qu'ils aient de la joie, il faut qu'ils soient bien habillés, il faut qu'ils aient des belles chambres, il faut qu'ils aient... C'est un bordel. C'est un énorme bordel. Donc non, en général, je sais pas, je regarde peu de let's play à côté. Je regarde pas de let's play de Rimworld à côté, donc je sais pas si les gens jouent avec beaucoup plus de colons. Moi, en général, je tourne plutôt autour des 10-15. Voilà, comme dit Matt, j'avais pendant un moment, j'avais un mode qui faisait que chaque sub faisait spawner un colon. C'était ingérable. C'était ingérable. Il y avait un connard, je sais plus qui était pyromane, et comme il n'était jamais content, il foutait le feu dans toute la base. Il y avait tout le temps le feu dans ma base. C'était ingérable. Je vais agrandir ça. Ophélia qui me regarde et qui me dit « Eh maman, As2, il dit que les enfants, ils sont cons. » Avec sa tête de méchante. Non, 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 j'ai pas dit, Ophélia, que les enfants sont cons. J'ai dit que dans ma base, ce sont soit des enfants, soit des cons. Tu vois, toi, par exemple, tu te fais pas à manger toute seule, c'est maman qui t'a fait tes crêpes. Bah là, c'est moi qui dois faire leurs crêpes. Mais c'est surtout qu'ils sont plus cons que des enfants encore. Et tu fais plein de bêtises à la maison. Tu cours partout, tu sautes tout le temps, tu fais le bordel. Bah c'est pareil dans le jeu. Bon. Bon. Que fait Milo? Milo, il dort. Neverending est en reste pour 4 jours. Il reste 2 jours et demi. Faut pas le dire, Texnam. Supersonics fait du ménage, c'est bien. Est-ce qu'on a eu un peu de cailloux? Oui, mais je veux construire ça d'abord. Ce qui a été attaqué. C'est en cours. Ouais, bah oui, je fais du prélèvement de sang, c'est normal. J'ai combien de sang en stock? 2. J'ai pas beaucoup de sang, hein. Une seule banque de sang, c'est pas assez. Il va falloir que je recrute 2-3 personnes en plus. Pour les banques de sang. Attendez, j'ai une illumination médicale, mais c'est Neverending et il est en train de pioncer. Le DLC, il fait le même boulot que certains des mods qui existaient déjà. Je sais pas... Oui, il y avait un système de ration. Oui. Après, c'est pas étonnant, il y a tellement de mods, évidemment, qu'ils allaient forcément... Le DLC allait forcément intégrer des choses qui étaient déjà dans des modes. Hein. C'était sûr en fait. Je peux pas prélever sur les prisonniers le sang. Si, mais je peux prélever sur tout le monde. Justement, lui je le recrute pas. D'ailleurs, lui je peux le désaper. Lui je le recrute pas et lui sera ma banque de sang parce que je ne peux pas le recruter. Parce qu'il est trop loyal. Mais oui, je vais peut-être faire un petit prélèvement de sang sur mes colons aussi. Extrême opaque. Alors, les vampires ne meurent pas s'ils n'ont pas de sang, c'est juste qu'ils sont de très mauvaise humeur. Et après, peut-être qu'ils ont une... Ils peuvent peut-être avoir un truc de... Quand ils pètent un plomb, peut-être qu'ils vont mordre tout le monde, c'est possible. Ah, j'ai pas vu, ils m'ont fait le sol ici. Parfait. Par contre, il fait... Non, ça va, il fait 14 dehors. Il va pas tarder à refaire très froid. Du coup, faut peut-être que je vente ici. Hein. Milo, que fais-tu? Transporte bloc de grès. Ah, t'es en train de construire les murs ici? Parfait. Ça me va. Ça, vous pouvez transporter... Ben, c'est le nounours qui va s'en occuper, je pense. Attends, Milo, est-ce que tu peux juste prioriser ça, s'il te plaît? Ah oui, non, faut miner d'abord. Miner, Cerdan. Voilà, accession sociale, bien miner ça. C'est qui le minage? Ok, allez, annule ça. Cerdan, tu viens miner ça. S'il te plaît. En plus, il n'y a personne à l'hôpital, donc c'est parfait. J'ai rien dit. Ah, NJX s'est réveillé, j'avais même pas tilté. Bienvenue parmi nous. Hein. Hop,
Et du coup, Milo, que fais-tu actuellement? Transporte bloc de grès jusqu'au mur, tu viens me faire ça plutôt après. Ça aussi, il faut que je transporte. Elle est furieuse pour Mollard à cause de sa mauvaise humeur parce qu'il est mal nourri. Mais il lui a bouffé. Évitez de vous taper dessus, Milo. Allez hop, petit perso. Non, non, j'ai pas beaucoup de sang. En vrai, ce genre de choses, c'est Super Sonic s'il doit le faire vu qu'il se bat à main nue. Après, j'ai peur qu'il coupe une carotide dans son élan. Dans sa fougue de la jeunesse. Repose-toi pas, fais-moi ça s'il te plaît avant. Chaman, bonjour. Bienvenux. Est-ce que vous avez des animaux? Vous avez un âne et des moutons. Ah, vous avez deux ânes. Est-ce qu'un couple d'ânes serait bien? Oh non, j'ai déjà des chevaux. D'ailleurs, oui, j'ai combien de chevaux, moi, maintenant? Hop, il y a une meute de chasseurs d'hommes en même temps. De rhinocéros chasseurs d'hommes, ils sont trois. Ça va. Je vais juste restreindre tout le monde en zone safe et ils attaqueront la caravane. D'ailleurs, est-ce que la zone safe, elle couvre encore l'agrandissement ici? Zone autorisée, zone safe. Ouais, c'est bon. Tout est bon, tout est bon. Ouais. Parfait. Ouais, du coup, je disais, combien j'ai de chevaux? J'ai un ptio, je vais pouvoir vendre un ptio. Alors, bien le bonjour. Milo, viens discuter avec eux. Après la leçon, par contre. Je suis en train de donner un cours. Tu apprends du social, je crois. Hein. Ouais. Super Sonics. La bio. Social, ça va. Il a déjà arrêté de péter devant les gens. Alors, les poussins, je peux les vendre, mais ça vaut pas grand chose. Je les garde. Les béliers, j'en veux pas. Mes ah, bah j'en ai deux des poulains même. Je vais vendre deux poulains. Les ânes, j'en veux pas. Les étalons, c'est à moi. Passion de survie, neutroamine. Composants avancés, je garde. Des armes médicinales, il m'en reste plus que 8. Ils en ont qu'une, je vais la prendre. L'ambroisie, je m'en sers. Ça sert à quoi l'ambroisie en fait? Je sais jamais. Un fruit doux à l'odeur, au goût merveilleux. Sa consommation procure un effet légèrement euphorisant qui améliore un peu l'humeur. Une consommation régulière peut créer une accoutumance. Peut-être la garder vu que j'ai 2-3 drogués. Par contre, le wake-up, je vais vendre. Tastacier, je garde. Artefact, j'en veux pas. Bière. Je vais acheter un peu de bière. Et j'y vais comme ça. Je vais acheter la bière, comme ça ils seront contents. Ok. C'était nul, Limi. Ah, ça fait peut-être du lait, effectivement, les brebis. Probablement même, non? Bélier. Non, brebis, elle est où la brebis? La brebix. Bon, attends. Milo, reparle avec eux. La brebix. Production animale. Type de... Ah ouais, de la laine. Quantité de laine, intervalle de tonte, quantité de laine. Non, pas de lait, j'ai l'impression. Hein. Yoatran, ça fait plaisir d'y rejouer de ouf. Vous confirmez que ça fait pas de lait, mais la laine, ça peut être très bien. Ça peut être mieux que les chevaux, en fait. Hein. Les chevaux, c'est bien pour les caravanes, mais est-ce que je m'en fous pas des chevaux? Parce que là... Ah, mais si, j'ai des... Oui, non, c'est bon, j'ai des sous, en fait. Vas-y, je prends les deux moutons, en plus. Non, bah, j'ai viré le wake-up. Let's go. On a des moutons en plus. Merci. Il va vraiment falloir que j'agrandisse. Stockage. Désorientation pour NGX. C'est à cause de l'anesthésie, c'est pas grave. Du coup, je vais agrandir ici pour faire l'enclos. On va faire des murs en... j'ai pas assez de cailloux pour le moment. Je vais faire des murs normaux. Faire ça, ou mettre des portes-portes. Et ça, je vais remettre une clôture en plus. C'est pour éviter que si jamais on ait des sapeurs qui pètent également l'enclos.
Mon enclos, il va être comme ça. Ça, ce sera très bien. Et je vais mettre un portail d'enclos en bois ici. Et je vais creuser cet enclos. Là, je pense que je vais le virer. Bon, après, je peux le garder pour les poules éventuellement. Et là, il y a une petite ouverture aussi. Ordre, miné. Je vais aller voir comment c'est ouvert là. Et du coup, ils ont pas d'enclos. Ah, mais c'est intelligent un animal. Non. Non, c'est complètement con. Intelligence aucune. Ah, mais c'était. Non. Intelligence aucune, ouais. Donc ça doit aller dans le là-dedans, mais il y a peut-être plus de place en fait. Et là, l'avantage que ça met, ça fait que je peux planter. Soit planter des trucs, soit il y a de l'herbe qui va pousser aussi. Bon, pas là parce qu'on est en plein hiver, mais. Alors, du coup, ici, on est quasiment bon. C'est une bonne nouvelle. J'avais cette torche rouge quelque part. Celle-là. Je vais l'installer ici en plein milieu. Ça fait de l'éclairage, ça fait du chauffage et c'est rouge. Donc c'est bien pour le... pour l'ambiance du truc. Bon, ils ont amené les moutons? Non, pas encore. Ah, et c'est parce que tout le monde est en train de se remettre de l'anesthésie. Et ça, il est rapprovisionnement automatique, oui. Non, 50 sur 60, Cenix. Dans les pièges. Oui, ouais, mon custo va s'en occuper. C'est vrai que les rhinos sont morts, du coup je peux ressortir. Quelqu'un va venir s'en occuper de ça normalement. Ils étaient trois, non? Bon, peut-être que deux. Il y en a un qui s'est calmé, je sais pas. Construction terminée. Du coup, Milo, tu fais quoi actuellement? Bah, tu... Ok, tu fais une leçon, tu vas remettre les pièges et ensuite... Faut que je demande de miner ça parce que cette pièce-là est de toute façon pas utilisée pour le moment. La caravane s'en va. Miner. Vous venez miner ça, s'il vous plaît. Je remettrai les murs ensuite. Oh putain, l'enfoiré, t'as une sale gueule. Comme merci Nello pour les 25 mois. Re-bienvenue! Merci beaucoup. Ça va bien et toi? Ouais, ça fait une bonne ambiance, ça, c'est chouette. Ça me plaît. J'ai moins à donner naissance. Merde, la caravane vient de partir. Tant pis. Waste Pack Drop. Une machine qui, dans un vaisseau orbital, a une requête spéciale. Elle souhaite décharger un excès de Toxic Waste Pack. Et espère que vous allez le stocker de manière responsable. Si vous acceptez, ça va délivrer 222 Toxic Waste Pack. Les récompenses sont pas folles, donc non. La dernière fois, j'en ai reçu 80 et j'ai pas eu le temps de tout déplacer, donc non. La merde. Et du coup, je remets des murs en grès, hein. Ouais. Ici. C'est possible d'automatiser des trucs, pas en Vania, non. Ah mais ce sera vraiment une crypte parce que les vampires doivent se reposer. Tous les 20 jours, ils doivent se reposer pendant 4 jours. Et ils peuvent dormir dans des cercueils pour mieux dormir. Et en plus, ces cercueils peuvent être liés à des machines spéciales. Du coup, ça, ce sera vraiment un endroit où les vampires vont dormir. Ouverture à côté de la crypte, ça donne quoi? Là, je l'ai pas ouvert. Je vais pas l'ouvrir tout de suite pour le moment. On a une ici qui va s'ouvrir bientôt. Les médicaments se font rares, mais on a une plantation qui est en cours. De récolte. Effectivement, on n'a plus beaucoup de médocs, hein.
Ça avance un peu le recrutement ici ou pas? 2.7, 3.2. Oui, on a bientôt deux nouveaux colons. Russe. Oh, des hommes cochons, hein, du coup. Non, un homme bête et un homme cochon. Pas un homme bête, un homme loup. Que fait Milo du coup? Ouais, les pièges à pointe, c'est bien. Après, celle-là est peut-être liée à celle-là, hein, c'est possible. On verra bien. Voilà. Encore des pièges pour Milo. Ici, l'agrandissement, c'est parfait. Je peux mettre la... Non, elle est... Ouais, elle est faite, la porte, c'est bon. Il y aura ces murs à construire encore derrière. Ce qui fait... Bon, ça, je peux les laisser... Ouais, je peux les laisser séporter, ce mur. Ça fera un petit rempart de plus pour les sapeurs. Ah, très bien. Pour le moment, c'est calme. Famous la sword, ça. Pour le moment, c'est calme. Ça se passe bien. On verra si ça continue. Le pauvre Milo, il arrête pas. C'est un vampire. Donc, il a le droit. Hein. Enfin, il se plaint pas. Il dort peu. Tout ça, ça a été fait. C'est bon. Il va falloir mettre un sol ici. On va attendre peut-être d'avoir... Ah oui, ils étaient bien trois, les rhinos. Attendre d'avoir plus de plus de monde pour qu'on ait du monde qui fasse des cailloux. Niveau bouffe, je suis un peu limite, par contre. Non, après, non, ça va, j'ai de la viande. Faut juste que Neverending qui est en train de pioncer... Bah, je peux le réveiller, d'ailleurs. C'est dommage qu'il se réveille pas tout seul. Peut-être qu'il se réveille tout seul quand ils sont à 100%. Ça, c'est possible. Alors, Milo a fini les pièges ou pas? Non, pas encore. On a un petit peu de ferminé ici. Avec auto wake up de dispo au début. Tu l'as mis à dormir. Ah, ok. Donc il doit effectivement peut-être se réveiller quand il est à 100%. Ah, c'est bon, mes moutons ont été amenés ici dedans. Parfait. Capsule de cargo, qu'est-ce qu'on a de beau? De la peau humaine. Ça vaut ultra cher, la peau humaine. Bon, il se passe rien pour le moment, il faut que j'aille chercher une pile. C'était chaud, un repère de fugitif, c'est pas grave. Je reste en vitesse 1, je suis pas fou non plus. Je reviens!
RE. Il s'est rien passé. Donc, parfait. Petite question, c'est que les subs qui sont dans l'aventure? Ouais. Et encore pas tout le monde, hein, du coup. C'est dans la liste... Il y a une liste d'attente. Et tu vois, aujourd'hui, pour le moment, j'en ai eu un. J'ai eu un nouveau colon. Alors, ici, on peut agrandir ça. Zblip. 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 Ça, ça n'était pas demandé à miner, ça? Bon. La construction ici, la construction ici en haut, les pièges ici. C'est terminé, parfait. Que va faire Milo après? Du bois jusqu'à clôture, très bien. Mais mineur. Ah oui, mineur, il mine ici. J'aimerais bien que vous m'ouvriez ça pour voir. Voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Glinglin n'est plus inspiré. Capsule de cargo, encore? Du smoke leaf. Non, du fruit d'agave. Est-ce que la peau humaine a été récupérée par le nounours? Non. Les hommes crabes, les hommes crabes ont le goût du crabe. Parle comme les hommes. Merci Grandmoka pour les 17 mois, bienvenue. Merci beaucoup. On a pas vu d'homme crabe pour le moment. Il n'y a pas encore d'homme crabe. Ouais, c'est ce que je pensais, hein, c'est très petit. Par contre, ça, c'est une bonne nouvelle. Faut miner ça. Ça va bien, ça va bien. Nouvelle recrue! Nouvelle recrue! Kinwark! Bienvenue à bord! Alors, toi, déjà t'es qui? Toi, tu es... Faut que je retrouve le début de la liste du coup. 3h, 7h... donc on a eu Glinglin, c'est Mr. No qui nous rejoint. Bienvenue à bord, Mr. No. Hop. Alors, Mr. No, tu es bon avec les animaux. C'est une bonne nouvelle. Plus ou moins. Tu es cogneur. C'est quoi tes traits, Mr. No? Tes traits à toi? Beau, aimable et résistant psychique. Tu fais pas de soins et surveillance. Alors, Mr. No. Comme d'hab, hein, ça c'est normal. Tu seras geôlier donc. Milo n'est plus geôlier. Tu seras dresseur, c'est très bien. Toi aussi tu seras dresseur. Toi tu n'es plus dresseur, Neverending. Tu n'es pas cuisinier. Tu n'es pas chasseur parce que tu vas plutôt te battre aux mains nues, je pense. Ouais, quoique si, tu peux être chasseur. Tu ne fais pas fermier, tu ne fais pas ça. Par contre, tu vas nous faire du nettoyage. Et du transport. Priorité nettoyage, transport pour le moment, à part la geôle. Et dressage. Ouais, non, ouais, vas-y. Vas-y comme ça. C'est bien. Très bien comme ça. Rocky Light. Hop. Donc, très bien. Oui, du coup, t'as pas d'arme à distance. Mr. No, on arme à distance. Ça, c'est quoi? Fusil à pompe automatique? Non. Bah tu vas prendre une mitrailleuse. Occupe-toi de ça vite fait, merci. Un raid de la ruche mécanoïde. Oh, ça c'est très 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 mauvais. C'est excessivement mauvais. Alors voyons voir, où sont-ils? Ils préparent leur attaque. Ils sont combien? Ils sont 2, 3. Ouais, ok, donc ça c'est vraiment juste, ils ont rajouté des bébés. Bon, ça va, ils sont pas trop trop vénères pour le moment. Pas vénères du tout même. Ils sont que 3, tout va bien. Du coup, on va faire une restriction en safe zone pour le moment. Et pareil pour les animaux. Safe. Good.
toute façon, on a des choses à faire pendant ce temps à l'intérieur. Ici, je voulais donc faire des... faire des cellules pour les donneurs de sang. Alors, je vais leur faire des belles chambres, comme ça ils seront pas trop mécontents. Donc des chambres suffisamment grandes. Et je vais les faire ici au bout, je pense. 4x4. 4x4, ce sera très bien. Je vais en faire une, deux. Et je pense que j'en aurai maximum 4. 4x4. Comme ça, donc vous pouvez miner ça. Et vous minez ceci. L'hygiène de la chambre. Ah oui, je peux mettre du sol stérile, effectivement. Et je pense pas que ça fasse des infections, hein. J'ai jamais eu de problème d'infection. Nouvelle recrue, pour qui? Pour qui? Pour qui? Pour qui? Pour qui? Nouveau copain? Nouveau copain, alors c'est qui le cochon? L'homme au sport. Perspicace, belle et ascétique. Ah, c'est une belle cochonne. Du coup, c'est qui la belle cochonne? C'est Axu Fight. Axu Fight, bienvenue. Axu Fight. Une belle cochonne perspicace. Ah, c'est dans l'ordre d'arrivée, transport, du coup. Alors, Axu Fight. Animaux, social. Ok, on va voir ce qu'on fait avec toi. Pas de médecine. Tu peux faire Chell Care, oui. Manutention, bien sûr. Tu fais Jôle, bien sûr. Dressage, pourquoi pas. Avoir plus de dresseurs, oui, c'est une bonne chose. La chasse, non. La construction... C'est pas mauvais en construction, je peux te mettre en construction, ça va faire du bien à un constructeur de plus. Kill Light, bah Kill Light aussi. Toi aussi je peux te mettre à deux en construction. Et forgeron, ça pourrait être bien. Pour le moment je m'en sers pas, mais... Et couture, ah oui, couture. Artisanat pour les cailloux éventuellement. Et ça me va comme ça. Très bien, bienvenue Argo Fight. Alors vêtements lambeaux, ça il va les changer. Vire le Chelker de Milo. Ouais, c'est pas faux. Nice. Alors, faut que je fasse attention aux raids, hein, par contre. Ils sont ici en bas, ils sont là. Pour le moment, ils attaquent pas, tout va bien. Et d'ailleurs, il faut que je fasse... Ça. Ça. All good. Et il faut que je rajoute dans la zone... Safe, c'est déjà presque le cas, mais ça, c'est safe. Ça ici, c'est safe aussi au cas où il y ait des trucs à miner. Ok, il lance l'assaut. Mais tous les pièges sont ready. Même si c'est plutôt résistant au piquant, il y en a bien assez, je pense, pour les tomber. En plus, lui est beaucoup plus rapide que les shotgunners. Donc c'est une bonne nouvelle. Oh non, putain, il y a un animal qui vient de passer dedans. Ok, ouais, c'est bon, facile. Facile. Parfait. Et d'où j'ai du plastacier ici? Ah mais non, ah non, ils étaient beaucoup plus que prévu en fait. Ah ouais. Oh, ils étaient beaucoup plus que prévu. Bah ça va, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Nickel. Ok. Monsieur Gift Sub, est-ce que je suis dans la liste? Alors non, en fait la liste est tellement grande d'adag que je prends les Gift Subbers et pas ceux qui reçoivent des subs. Du coup. Désolé, hein, mais... Déjà que je peux jamais compléter toute la liste. Du coup, je fais ce que je peux. Et voilà la pièce qui était là, elle est minuscule. C'était attendu. Qui est disponible? Crimson Congress. Sangophage nommé Pyra cherche un endroit safe pour venir pour une réunion. C'est le même truc que la dernière fois. Différentes directions des Wispens. Donc ils vont passer quelques heures par ici. On peut être... Donc, je peux trahir les sagophages et les attaquer. Alors je vais... Oh, des implants analgésiques et implants du bonheur. Oh, c'est sympa, ça. Mettre l'implant du bonheur à Kill Light. Oh. Oui, j'accepte. Donc, en gros, ils vont juste venir, faire une petite réunion et se barrer. Et en plus, ils vont peut-être me donner une torche rouge en plus. C'est chouette.
Oui, tu veux être heureux. Mais tout le monde veut être heureux, Kill Light. Mais toi, t'es un artiste torturé, donc tu es... Je t'avais comparé hier au réalisateur de Jumper. Tu fais des films, mais... Tes œuvres d'art sont, mais... Song of Ash sont arrivés. Donc là, ce sont juste des amis qui ont besoin d'un... Des amis vampires qui ont besoin d'un endroit pour se réunir. Deux droits, oui. Merci. Par contre, je commence à être à court de médicaments avec toutes les prélèvements de sang que je fais. Ils vont piquer ton sang. Non. Non, 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 ils viennent vraiment juste, ils se posent à un endroit, ils se réunissent. Ils sont arrivés d'ailleurs. Ouais, Pyrrha est là. Ah, la dernière fois, ils se sont mis dans la salle de classe. Là, je pense qu'ils vont le faire ici dedans. Est-ce que la peau humaine a été rapportée ou pas? Je crois que oui. Non, pas encore. Gnaglin, tu fais quoi? Taille des blocs de pierre, ça me va. Mr. No Tudor, Axu Fight, tu fais quoi? Relaxation sociale, viens récupérer ça, s'il te plaît. Voilà, et donc si on regarde là, ils vont commencer à essayer d'invoquer des démons. Et ils m'ont effectivement filé une torche. La dernière fois, il y en a un des deux qui est mort. Ils étaient trois, il y a un des trois qui est mort, la dernière fois. Eh ben, ils sont pas morts cette fois. Bah bonne journée, merci d'être passé. J'ai eu les cadeaux ou pas? Non, ça va arriver par capsule, je pense. Et du coup, ça, je veux la réapproprier. Et on va plutôt, du coup, installer ça. Non. On va la mettre là au milieu. Alors, je vais avoir besoin de murs de briques, structure, mur en grès. De porte en grès également. Looking crevette, ça va bien. Et oui, vous êtes des sales cons. Y'a Maître Grognon. Du coup, je peux faire une recherche à nouveau. Arcade double, on s'en fout. Le TP Quay, on s'en fout. Le Pemmican, on s'en fout. Confection de tapis. Éventuellement, peut-être pour les enfants, ça peut être bien. Et puis même pour le luxe, ça peut être bien. J'ai pas de quoi mettre le meilleur truc de recherche pour le moment. Toxifier Generator. Créer un Toxifier Generator qui génère de l'électricité, mais également produit de la pollution autour de lui. Ça produit beaucoup, ça? C'est pas indiqué. Façon de survie, téléviseur, fertility procédure. Pour les enfants, panneau solaire, extincteur d'eau automatique d'incendie, lumière colorée. Vêtements par balle, peut-être? Ce sera bien de crafter ça. Il faudrait que je crafte une forge aussi. Que je mette une forge. Futur émote, rien du tout. Rien du tout. Fonderie électrique. Ah, est-ce que je peux mettre peut-être un four crématoire? Ouais, ça je coûte un peu cher en composant. Forgeron électrique. Ça coûte cher en composant aussi, mais il me le faut. Hein. Bon, on verra. Ah mais attendez, j'ai débloqué le console de communication, important, faut que je la fasse ça. Console de communication, on peut la mettre ici. Ah, ici c'est bien. Et il me faut des balises de commerce. Alors ça en gros comment ça fonctionne, ça permet de contacter des factions alliées ou ennemies pour les insulter, alliées pour leur demander des coups de main, pour leur demander des caravanes, etc. Mais il y a également des vaisseaux spatiaux qui passent en orbite et qui me contactent de temps en temps. Donc ça en gros, il faut le mettre dans les stocks parce que du coup c'est tout ce que je vais pouvoir envoyer. Et il m'en faut un également en extérieur, je peux le mettre là en vrai, pour recevoir ce que j'achète des vaisseaux. Ouais, je vais le mettre là à côté du stock, c'est très bien.
Mais j'ai de sang. 8 de sang. Le sang commence à se stocker, c'est bien. Je vais pouvoir demander de lécher les murs par ici. Ici, ici, là. Là. Lécher le sol aussi au passage. Lécher ces murs-là. Ça. Le sol qui est ici. Ces murs-là. Ces murs ici. Bien comme ça. Ici, pareil, le sol, on veut lécher le sol. Une porte entre la crypte et le frigo? Non. Non, je pense, à terme, mettre un couloir ici pour qu'il puisse faire le tour par ici éventuellement. Ou alors, je peux éventuellement aussi déplacer la cuisine. Après, mon frigo serait trop petit. Mais je peux éventuellement déplacer ma cuisine là et faire un frigo ici. Et là, des chambres, ça pourrait être pas mal aussi. Au final, tu vas commencer une base dans la montagne. Bah, petit à petit, ouais. L'oiseau fait son nid. Ah, le nouvel enclos est presque... Ouais, presque fini. Il veut juste pas couper les arbres, Milo. Que fait Milo, d'ailleurs? Construction de pièges à pointe. Oui, réarmer tout ça, c'est très bien. Non, le sang a pas besoin d'être stocké dans le frigo. C'est pas un souci, ça. Ouais, parce que du coup, je peux faire... Alors, attendez, je peux planifier en soi. Si je fais mon couloir... Comme ça... Et là, bon, j'ai un couloir de 4, mais il n'a pas forcément besoin de rester 4. Là, ça veut dire que je peux faire ma cuisine. Ici. Et le frigo là, ouais, ça passe. Hein. Et là, j'ai de la place pour des pioles ou pour quelque chose d'autre. Après, en fait, ça peut rester le frigo. Et la cuisine est juste, pas, juste à côté, adjacente. C'est pas dramatique non plus. Hein. Ça peut se faire aussi. Ouais. Ça me paraît bien. Drone psychique moyen pour les hommes, c'est pas très grave. J'ai du coup demandé de miner ça, miner ça, miner ça. Miner ça. Ah non, là je peux pas le garder en frigo parce que j'ai plus l'évacuation d'air. Pourquoi j'ai du foin dans le frigo? Parce que je fais des croquettes. Donc c'est à côté en fait, tout simplement. Axu fight parce qu'il a mangé sans table. Mais ah mais c'est vrai que s'il y a plus de colons, faudrait une table supplémentaire peut-être. Construis une copie. Je vais la mettre là et je vais déplacer la table de... la table à échec, l'échiquier. Ah ça, je peux l'enlever. Il faudrait réenterrer le petit pote là, s'il vous plaît. Je peux également agrandir la salle commune, là, du coup, oui. Grossiste, bonjour. Est-ce que vous auriez des composantes, les petits potes? S'il vous plaît. Effectivement, la salle commune commence à être un petit peu limitée en place, donc je peux effectivement faire salle commune ici et cuisine frigo ici. Ça s'envisage. Non, non, je viens de l'amener, là. Ça fait 2 ans qu'il est mort, plutôt. Mort depuis 2 ans, mais il vient de l'amener parce qu'il vient d'avoir une obsession pour les cadavres. Ça va, on bouffe là d'ailleurs? Ah, j'ai plus de bouffe crue, hein. Va falloir qu'on rechasse un petit peu. Alors, qui est mon meilleur socialiste? Coco, mais il est sourd. Soufight, t'es comment en santé? T'es bourré. Ça devrait aller, non? Ah, mais il est fou. Je vais attendre un petit peu. Il se calme. Ouais, Coco, il te manque une oreille. T'as une oreille gauche déchiquetée. Donc t'es pas sourd. Mais du coup, vu que t'entends pas bien quand tu négocies, bah les prix sont un peu trop chers. ah, c'est vrai, est-ce que j'ai reçu mon implant du bonheur au final? Attendez.
Bah non, je me suis fait niquer en fait. Mais... Mais je me suis fait enculer. Oh les salauds, ils m'ont pas payé. Ah les enculés. C'est bon, Axofight va mieux. Viens discuter avec lui. S'il te plaît. Alors, étalon jument, j'avais pas eu un bébé cheval, il est mort. Peut-être. Bah là, ils ont un couple de bisons. Ah si, j'ai un poulain ici. Est-ce que je prends le couple de bisons, du coup, pour faire de la laine et du lait, je crois. Hein. Alors, j'ai pas les moyens, mais je peux vendre mes chevaux. Au pire, les chevaux, tant pis, hein, on en a plus besoin. Pémican. Ration de survie, viande d'insectes, ça je peux vendre, je m'en fous. Viande de cheval, ça c'est à eux, maïs, composants avancés, tissus. Ah oui, je peux vendre la peau humaine du coup. Et je peux faire un peu de place dans mon stock, genre tout le cuir, là, 800 de cuir. Dégage, ça fera de la place dans le stock. Et fourrure bleue, dégage, cuir de dromadaire, dégage. Ouais. Non, je vais garder pour faire des vêtements, je vais vendre plutôt ce que j'ai moins en stock. Ce qui me permet pas de faire des vêtements complets. Ambroisie, j'ai dit que je gardais. Les obus, je garde. Ah, de la teinture! Je sais pas comment je la fais, la teinture, encore. Il faut du Tinctoria pour la faire. Ok. Ça, c'est pour colorer le sol. Du bois, non. Les bonnets entiers supétés, oui. Tous les vêtements pourris que j'ai, tout ça, ça dégage. Ça fera de la place, encore. Enfin, ça, je garde. Et l'or, je garde. Ok, je gagne 1000 balles. Ça me va, et j'ai des animaux en plus. Bah du coup, est-ce que je garde encore les chevaux, en vrai? Ah oui, je les ai gardés, les chevaux, là. Je les ai pas vendus. Ouais, donc ça me va. Let's go. Bonjour. Bison, c'est bien pour les expéditions. Ah, c'est vrai? Bah, j'avais des chevaux pour ça. Et si les bisons, on peut les prendre aussi, c'est bien. C'est vrai que peut-être les chevaux, c'est que modé qu'on peut les monter, hein. Et on leur met pas d'équipement dessus. Alors, le minage est en cours par ici, c'est parfait. Tout ça, vous pouvez transporter. Ouais, c'est bizarre la quête buggée. Après, c'est une nouvelle quête, c'est peut-être un bug du coup du DLC, hein. Ce sera peut-être corrigé. À moins qu'ils les aient posés quelque part, mais ça m'étonnerait. Ils sont en tout cas pas dans mon stock. Ils sont pas ici où il y a eu la réunion. Donc je ne sais pas. La quête a été ratée, elle a échoué. Comment ça elle a échoué? Parce qu'elle est rouge, c'est ça? C'était pas celle-là, c'était celle-là. Ils ont pas réussi à s'entendre du coup? C'est où que c'est écrit? Vous avez échoué dans cette quête. Bah pourquoi? Je sais pas ce qui s'est passé. Psychotique Milo à cause de drone psychique. C'est pas grave. Oh, puis du coup, il va falloir que je creuse. Je vais faire de la planification. Je vais creuser ici. La cuisine, 1, 2, 3. La porte, là. Là, je peux mettre mes deux trucs pour la cuisine, c'est tout bon. Je ne creuse du coup pas. Ici. Je creuse juste là. Là, on aura le sas. Donc, je ne creuse pas ici. Porte. Porte. Donc, ça, je creuse pas.
Et là, je peux avoir mon frigo. Frigo. Et je creuse encore ceci. Ah si, en vrai, je peux creuser ça pour pouvoir mettre les vents. Et je peux rajouter encore une porte là. Avec le sas comme ceci. Parfait comme ça. Et là, je pourrais mettre jusqu'à 4 vents. Tout bien. Bloc de grès. Mur en grès. Mur ici, ici. Et 4 vents, c'est pas de trop, je pense, pour les vagues de chaleur, etc. Donc, vous creusez ceci, ceci, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, là, là. Tu peux les démonter, les vents, les déplacer? Non. Allez, je peux pas parce qu'il y a encore un mur. Non, non, mais elle est échouée, Coco. Donc, je sais pas, est-ce qu'ils ont foiré la négociation? Je sais pas. Le couloir des chambres en haut, tu le finis pas? Le couloir des chambres en haut? C'est-à-dire? Oh, il y a de l'or. Là, c'est... Ah oui, j'ai pas demandé de miner, ça? Si, si, c'est demandé à miner. C'est en cours de minage. Ok, ici. En haut à gauche. Ah, celui-là! Si, ça, faudrait que je le finisse aussi. Mais c'est pas trop urgent pour le moment. Bon, billet de naissance, ok. Ici, ce serait gentil de finir ça. Milo, il est fou. Ouais, il est psycho. La recherche avance, on a eu des cailloux un petit peu, oui. On va bientôt pouvoir commencer à faire des sols et des trucs jolis dans la base. J'ai mis quoi comme sol ici? En ardoise? J'ai de l'ardoise. Sol en ardoise. Il m'en manque un tout petit peu. 412 sur 320, oui, il m'en manque pas beaucoup. Je peux la commander déjà. Bon, les constructeurs se touchent un peu. C'est qui? C'est Axu Fight, le constructeur, hein? Ouais. Tu fais quoi, là? Piège à pointe. Oui, c'est plus important, bien sûr. Yokari! Super Sonic, il est devenu cogneur. Et de l'affinité en mêlée, en agriculture, en médecine et en minage. C'est pas encore un adulte. Il a encore le temps de grandir. Et comme on a des très bons profs, il est très intelligent. Sa phase rebelle est passée. Alors, je vais avoir besoin d'une porte en grès. Ici, ici. Il va falloir miner. Ceci également. Démence majeure pour NGX. Qu'est-ce qui t'arrive? Emprisonné il n'y a pas longtemps. Encore combien de temps? Un jour, ok. Souffle légèrement dans le noir. Rejeté, chambre horrible. Elle est où ta chambre? Ouais, tu m'étonnes. Mettre un sol en granit, j'ai assez ou pas?